Amen. On est remplis de joie. On a joie de venir voir les frères et les sœurs. Gloire à Dieu. Et pour ma part, je vous dirai mon témoignage. Moi, j'étais un garçon qui ne connaissait pas l'évangile du tout. Dans ma famille, il n'y en avait pas qui étaient chrétiens. Aucun de jeunes, personne. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans un foyer qui n'était pas chrétien. Donc. Et pour moi, je croyais que la vie, c'était ça. Vivre comme ça, gagner son pain, toujours moi, mes parents ne m'ont jamais appris à voler, ni quoi que ce soit, toujours à travailler dur pour avoir son manger, tout ça. Et j'ai grandi comme ça. Et après, à l'âge de 16-17 ans, je m'étais fiancé. Et il y a le foyer de mon père et de ma mère qui s'est détruit complètement. Et moi, à 16-17 ans, vous savez ce qu'on a dans la tête à 16-17 ans, on n'a pas grand-chose. Et moi, quand il y a eu ça dans le foyer de mon père et de ma mère, pour moi, c'était mes yeux. À 16-17 ans, on n'a que leurs parents, hein, on n'a que ça. C'était mes piliers, moi. C'était tout ce que j'avais, c'était ça. Et du jour au lendemain, tout s'est écroulé. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Sur quoi je me serais retenu? J'avais plus rien. J'étais tombé bas, très bas. J'avais une chose, moi, pour essayer de me rattraper, c'était la danse. Moi, j'étais un danseur, je faisais que ça. Je faisais du hip-hop. C'était ma passion. Il y avait un garçon avec moi qui en faisait, on était deux. Et on s'entraînait dur, on faisait des concours, on allait loin, on allait à Nantes, on allait à Toulon, à Nice, tout ça, on allait un peu partout. Et j'avais trouvé que dans ces choses-là pour essayer de me faire sortir de mes angoisses et de mes peines. Quand je rentrais dans cette salle de danse, ça a duré 2-3 heures. Pendant ces 2-3 heures, j'oubliais tout. On mettait la musique à fond et on s'entraînait. Et ça me faisait du bien, j'oubliais. Mais en vérité, je repoussais le problème, mais le problème était toujours là. Quand je ressortais de cette danse, de cette salle, au moment où j'ai sorti, c'était pas difficile. Un pas, je sortais, c'était fini. J'avais les angoisses qui me revenaient, j'avais la haine contre mon père. Moi, j'étais resté avec ma mère, j'avais ma petite soeur, qui a 10 ans de moins que moi, donc elle devait avoir 6 ans, 7 ans. Et elle ne pouvait pas savoir comment j'étais malheureux. Et j'avais mes cousins qui étaient là, ils essayaient de me réconforter, toujours avec moi. Il n'y avait rien à dire sur ça, eux, ils n'étaient pas chrétiens, ils faisaient de leur possible. Mais ça ne suffisait pas. C'est pas ça qu'il fallait pour ma vie. Et un jour, ce garçon qui faisait la danse avec moi, il m'a parlé de Jésus. Et il me dit, est-ce que tu crois en Dieu? Et comme tout gitan, on va dire que oui, j'aimerais me dire que non. Et je dis oui, j'y crois, mais bon. Je dis, tu sais, c'est compliqué. Hein. Il me dit, ah bon? Il me dit, pourquoi? Je dis, mais s'il y aurait un Dieu, est-ce qu'il y aurait tout ce malheur? Je ne connaissais pas Dieu, moi. Je croyais que c'était Dieu qui faisait tout, alors que non. Et alors, il m'a parlé un peu de Dieu, je l'écoutais par respect. Et à un moment donné, il me dit, est-ce que tu veux prendre ce CD de cantique? Je te le donne. Je dis par respect parce que c'était comme mon frère. Tous les jours ensemble, on dormait ensemble, on faisait tout ensemble. Et j'ai dit oui, vas-y, donne-moi-le. Je peux prendre vous? Béni soit Dieu. Et j'ai dit, je prends le CD. Et par respect, je le prenais. Et puis je l'avais mis dans un coin dans la voiture. Et un jour que j'allais de Béziade, j'avais vu ce CD. Pourtant, moi, c'était que de musique tout le monde. Tout ce que vous voulez, il n'y avait que ça. Et je vois ce CD. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose me pousse à le mettre. Je le mets. Et c'était le CD de Bol. Je ne peux pas savoir comment Dieu m'a parlé. C'était la première fois que j'écoutais des cantiques. J'aurais pu en écouter, mais là, ça a été particulier. Ça a été quelque chose de fort dans ma vie. Amen. Adieu. Merci, je ne connaissais pas les choses de Dieu, j'étais rebelle complètement. Mais quand j'ai écouté ces témoignages, témoignages de notre frère, j'étais bouleversé complètement. C'est ce que j'avais dans mon cœur, moi j'étais pas drogué, je fumais pas. J'ai compris la souffrance qu'il y avait. J'ai compris que j'avais la même souffrance et c'était la souffrance du péché. Et j'ai eu une fin de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Amen. Moi, dans mon cœur, c'était, si Dieu existe, il faut qu'il me parle.
Il y a un samedi soir, je revois ce garçon. On était dans un anniversaire de famille. Il me parlait de Dieu. Il m'expliquait que si je partais de cette terre sans Jésus, j'étais perdu. Vraiment, ça m'a mis une crainte. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, pourquoi eux et moi non? Alors il m'a expliqué tout ça. Il dit que j'ai des pêcheurs. J'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est quand la prochaine réunion? Il me dit, un peu gêné. Il me dit, demain matin, il y a le culte. Mais... Un peu gêné. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, si Dieu est puissant, il me parlera pas d'un culte. Amen. Et si on met Dieu à l'épreuve, croyez-moi qu'il me répond. Le lendemain matin, ce garçon, il m'attendait devant parce que j'avais l'âge de rentrer. C'est la première fois que j'entrais dans une réunion. Je savais pas comment ça se passait. J'avais rien vu. Et je rentre. Et je voyais tous ces chrétiens, la tête baissée, en train de louer Dieu. En train de chanter des cantiques. Ils étaient tous le front baissé en train de louer Dieu. Et moi, j'étais au fond de la salle, droit sur la chaise, et je regardais avec des yeux grands ouverts. Je ressentais l'amour de Dieu. Et c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et à un moment donné, il y avait un don de prophétie pour moi. Mais moi, comme je vous ai dit, je connaissais rien aux choses de Dieu. Je ne voulais plus croire que c'est quelqu'un qui parle. Mais ça a été tellement fort dans mon cœur. Et ce frère disait. Dans sa prophétie, il dit, si tu es venu, c'est pas parce que c'est toi qui l'as voulu, mais c'est moi qui t'ai amené à moi. Et quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. Et je regarde ma femme, je dis, regarde, Dieu m'a parlé. J'ai compris que Dieu était vivant. Pour la première fois de ma vie, Dieu m'avait parlé, j'avais jamais ressenti ça. J'ai compris que Dieu était vivant. J'ai compris que Dieu pouvait changer ma vie. C'est vrai qu'au culte, je ne me rappellerai pas ce qu'il y a eu au culte, mais j'ai compris que Dieu était vivant. Amen. J'ai continué à aller aux réunions. Alléluia. Et comme les frères le prêchent, on a prêché la croix. Que dire devant la croix? Quand j'ai écouté la croix, la première fois de ma vie, je suis tombé par terre spirituellement. Je ne l'ai pas fait là, mais j'en pouvais plus, je pleurais. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu es mort pour moi? Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Alléluia. Et c'était quelque chose de fort dans mon cœur. Et je voulais revenir sur ça pour rappeler que j'avais de la haine contre mon père. J'avais cassé la voiture. J'avais fait du mal. J'avais fait vraiment des mauvaises choses. Et quand je me suis converti, tout ce que j'avais, j'ai ressenti quelque chose d'aller voir mon père. De lui demander pardon. Pourtant, c'est lui qui avait fait la faute, c'est lui ou pas? Mais. J'avais de la haine contre mon père, je suis allé voir mon père, je dis quoi? Je te demande pardon, mais lui il comprenait pas. Il se disait, mais c'est moi qui a fait ça, c'est normal qu'il réagisse un peu comme ça, même si c'est pas normal. Et je sais que ça là, vous voulez verser ça. Vous savez, j'ai jamais connu les réunions, il m'a fallu une seule réunion pour que Dieu change ma vie. Je sais que ce soir, il y a une personne peut-être qui a besoin de Jésus. Et je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu parle. Comme il a parlé à moi, il peut parler aussi à vous. Si seulement vous auriez un cœur disposé comme moi je l'avais, j'étais en détresse complètement. Pourtant je ne fumais pas, je ne me droguais pas. J'étais un garçon en pleine forme. Mais il me manquait Jésus. J'avais un cœur détruit complètement. Ce que le monde m'a détruit, Dieu, lui, l'a reconstruit. Gloire à Dieu. Amen. Amen.